Bonjour, je m'appelle Jules, je suis étudiant en licence 3 à Scama Business School et je suis le secrétaire général de l'association Scama eSport. Donc, pourquoi j'ai choisi Scama? Parce que c'est une école qui est ouverte à la nouveauté et aux enjeux de demain, notamment en décembre 2019, quand elle a poussé à l'ouverture de sa toute première association Scama eSport, qui est liée au développement de l'eSport et du gaming à Scama. Donc, cette association, elle dispose d'un Discord, qui est le réseau social des gamers, sur lequel on propose des cours avec des thématiques liées au gaming et à l'e-sport. Donc, par exemple, la création d'une web TV, les différents métiers qu'on a dans une structure e-sport. On propose également des entraînements pour l'aspect compétitif ou tout simplement si on veut s'améliorer sur un jeu. Et sur ce Discord, on propose aussi de jouer tout simplement pour s'amuser. Il y aura toujours un étudiant de l'association ou de Schema qui sera là pour jouer avec vous. Grâce à Schema Business School et à l'association, on a pu co-organiser la toute première Coupe de France des écoles de commerce sur League of Legends, qui est donc l'un des jeux les plus joués dans le monde entier. Cette compétition, elle s'est passée en deux parties, donc une phase à élimination directe dans laquelle il y avait beaucoup d'écoles de commerce. Et une deuxième partie où c'était les phases finales. Et tout ça, il y avait six équipes. Et c'était en direct sur Twitch, qui est donc le site de streaming de jeux vidéo et de gaming numéro un dans le monde entier. On a réuni 2000 spectateurs en direct. Et grâce à notre partenaire Riot Games, on a pu communiquer sur la compétition et sur l'association à des millions de joueurs de League of Legends en France et en Europe. Et donc le succès de cette compétition, bah, ça laisse entrevoir un avenir plutôt prometteur pour le e-sport à Schema et en France.